Bienvenue à tous sur le circuit de Nogaro dans le Gers. Je vais vous présenter les trajectoires de ce magnifique circuit et n'hésitez pas à les rouler dans cette belle région. La piste a été refaite en 2024, donc elle mesure 3636 mètres et vous avez des parties techniques, des parties un petit peu rapides, desserrées aussi. Donc restez attentifs sur cette présentation parce que vous allez découvrir pas mal de trajectoires et de petites astuces pour rouler vite. Petit contrôle. Première des choses, on prend en main la boîte de vitesse. Voilà, tranquillement. On sort à l'extérieur. Voilà. Très technique, on va le voir tout à l'heure. Voilà. On laisse bien aller la voiture à l'extérieur. On remet les roues droites ici et on freine fort. Deuxième. Et on reprend. Là. Là, ici. Là. On freine bien sans trop ralentir la voiture. On plonge à la corde et on accélère progressivement. Là. À l'extérieur. 4. Voilà. On laisse aller la voiture à l'extérieur. Ici. Et on regarde loin ses repères. Là. Voilà. En général, sur les circuits, il y a des panneaux. Donc n'hésitez pas à freiner tôt au début et petit à petit régler votre point de freinage. Là, on arrive très vite ici. Les mains bien sur le volant, on freine fort et de manière dégressive. Voilà. On va braquer tard. Elle a tourné, on reprend l'accélérateur. Bien progressivement. Extérieur, ici. Point de corde. Légèrement à l'extérieur et on revient. Freinage. Là, c'est un peu plus rapide, on braque un peu plus tôt. On laisse bien aller la voiture à l'extérieur. Plonge à la corde et on accélère progressivement. Là, quand on a fini le virage, on se met bien à droite, gauche de la piste, le freinage à nouveau. Et on plonge. Là, c'est un double, donc le premier, on rentre fort. Ensuite, on replonge à la corde là. Voilà. Bien à l'extérieur. Là. Là, c'est très rapide cette chicane. On ralentit juste un peu la voiture. Très tôt, on reprend l'accélérateur. Et on reste accéléré. Là. Ligne droite ici. La corde. Ici, on est bien. On accélère un peu plus. Là. Là. Regard loin pour bien anticiper, encore des panneaux pour se repérer, voilà on passe à l'instant, voilà, un petit freinage, on tourne et on reprend l'accélérateur, et ici c'est assez rapide, donc on lève surtout pas le pied de l'accélérateur, là, freinage à nouveau, on tourne et on reprend, là, voilà, pareil, on ralentit un peu et on reprend l'accélérateur. On va bien à l'extérieur ici et ensuite ligne droite pour faire des fois. Là, voilà. On la place et on reprend l'accélérateur progressivement. Là, on ménage et on reprend. Là. Voilà. On a fini le tour. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre dans la description tous les détails de ce circuit.